Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre impacteuse. Aujourd'hui, je vais vous parler du West. Avant de vous parler du West, même de vous dire ce que ça veut dire, je vais faire quand même une petite mise au point. Oui, c'est ça, peut-être il y a des choses que je dis souvent dans mes vidéos, peut-être qui ne vont pas plaire, mais comme je vous ai dit là, ça me glisse sur la peau. Quand j'avais commencé à faire mes vidéos, il y a environ 6 mois de cela, oui, environ 6 mois quasiment, le temps passe vite, hein. Oui, j'avais commencé à faire mes vidéos, au début, je ne parlais pas du Canada. Bien évidemment, j'ai fait une vidéo et puis il y a une personne qui s'est donné le droit de me faire une contre-vidéo pour m'attaquer. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand tu attaques une personne sans le vouloir, là, tu rends cette personne-là célèbre. Oui, la personne qui m'avait attaqué dans cette vidéo-là, elle m'avait donné quasiment... Je peux dire que sans exagérer, là, 5000 abonnés en 24 heures. Parce que les gens ont voulu voir, mais c'est de qui elle parle et puis des gens viennent. Bref. Donc, quand cette personne m'avait attaqué dans cette vidéo, elle a dit, elle parle du Canada, elle parle du Canada. Canada, même, il y a quoi là-bas? Donc, c'est là que j'ai dit, bon, il y a quoi au Canada? Ok, bon, je vais te dire ce qu'il y a au Canada. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Et je suis allée sur YouTube. Comme je vous dis, moi, j'aime faire des recherches. Je suis allée sur YouTube et puis j'ai vu qu'il y a d'autres YouTubeurs, des Africains, qui parlaient du Canada. J'ai dit, bon, c'est que le sujet est intéressant. Il y a beaucoup à dire sur le Canada, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans le domaine de l'immigration avec mes recherches, ça et là. Et quand j'ai commencé à recevoir les courriels de bon nombre de frères africains, oui, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. La majorité des messages qui me revenaient de certains frères africains, en particulier les Camerounais, ils m'envoyaient comme de nouvelles informations, ils m'envoyaient de nouvelles informations. Et puis comme ça, chaque fois, surtout quand j'avais fait la vidéo Entrée Express versus Arima, il y a une expression qui revenait constamment, le West. J'étais là à me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire le West? Et puis un jour, j'ai demandé à un frère camerounais, mais le West, ça veut dire quoi? Il a dit, ah, l'impacteur, je pensais que tu savais. West, c'est un organisme, c'est une base de données, c'est une plateforme en ligne qui est créée pour évaluer les diplômes depuis l'étranger. Même si tu es au Canada, que tu n'as pas fait tes études au Canada ici, tu peux évaluer tes diplômes à travers West. Donc, c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Ce qui m'est revenu constamment, c'est que dans le flot de messages que je recevais, les Camerounais, ils sont comme on dit, ils sont wise. Oui, c'est ça. Quand on dit wise, là, ça veut dire que c'est des gens qui sont comme à l'affût des informations. Au-delà de tous les wo-wo-wo qu'on constate sur Facebook, là, c'est des gens qui savent où aller chercher l'information. Moi, ce que j'ai remarqué, quand des frères Camerounais m'expliquent des situations par rapport à l'immigration, quand ils sont en train de parler d'immigrer du côté de la zone anglophone, ils savent en majeure partie, en même 100 personnes, il y a 70 qui savent déjà que pour chercher à immigrer dans la zone anglophone, il faut bien évidemment que tu sois passé par West. Mais ce que j'ai remarqué chez nous, les Ivoiriens, très souvent, s'il est au courant de West, c'est qu'il est lié à une firme d'immigration où il est en train de faire déjà son dossier. Alors que eux, quand ils m'envoient des messages, je leur pose la question, ils me disent non, ben je suis encore au stade de West ou bien je n'ai pas, je suis en train de réunir mes documents pour les envoyer à West. Des personnes lambda comme ça, ils savent déjà que pour immigrer au Canada dans la zone anglophone, il faut que tu sois passé par West. Alors que nous, les Ivoiriens, très souvent, on ne sait même pas. Il y a d'autres qui vont me ramener. L'impact, c'est quoi West? C'est ça. Les Ivoiriens, là, si on dit que Carmen Sama avec telle personne ou bien Carmen Sama a fait ça, là, on va aller, on va commenter. Mais aller chercher des informations, c'est-à-dire aller à l'affût des informations, comme je parle là, ce côté-là, on n'est pas comme ça à ce niveau-là. Big up à vous, mes frères Kamer. Oui, l'impacteuse vous fait son big up depuis sa position ici. Parce que si je viens parler de West aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez parlé du West. Et comme j'avais une vidéo sur le Nouveau-Brunswick que je suis en train de préparer, dans mon entourage, là, on m'a dit, mais tu veux parler de la vidéo sur le Nouveau-Brunswick, comment appliquer au Nouveau-Brunswick depuis là où les gens sont. Mais si tu ne parles même pas du West, comment des gens vont comprendre? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler du West. Le West, les amis, on appelle ça World Education Services. C'est une plateforme que, comme je disais tantôt, qui est créée pour l'évaluation des diplômes ici au Canada. Mais quand je suis en train de parler de West, je suis en train de parler de quelqu'un qui aspire à immigrer dans la zone anglophone. Quand on parle de West, on n'est pas en train de parler de la zone francophone, qui est la zone de Québec.
ouest, c'est la zone anglophone, si vous voulez, la zone bilingue comme le Nouveau-Brunswick. Donc, ouest a été créé en quelque sorte pour que des gens puissent appliquer, c'est-à-dire pour que des gens qui veulent appliquer dans le bassin de l'entrée express, ils puissent aller déjà évaluer leur diplôme. On veut savoir ton diplôme que tu as dans ton pays. Tu veux immigrer dans la zone anglophone, à quoi ça équivaut? Mais il n'y a pas que West, il y a beaucoup d'autres structures que j'ai vues. Il y a ICAS, oui, ICAS aussi, ça s'écrit I-Q-A-S. À ne pas confondre avec ICAS qui s'écrit avec C. Parce que celui qui s'écrit avec C, il est trop, le délai de traitement des dossiers est très long et puis ils sont trop exigeants. Donc, on le déconseille vivement, le ICAS qui s'écrit avec C, mais celui qui s'écrit avec Q, il est bon. Lui et Wes, ces deux-là sont vraiment bons. Donc, si par exemple, tu es à l'extérieur et que tu veux appliquer ici au Canada pour chercher du travail, pour chercher un permis de travail ici au Canada, mais dans la zone anglophone, il faut déjà que tes diplômes soient évalués. Il faut qu'on essaie d'évaluer tes diplômes pour voir tes diplômes que tu as, à quoi ça équivaut ici. Soit tes diplômes sont en français ou en anglais, tu vas envoyer ça par West. Si tes diplômes sont dans une autre langue que l'anglais et le français, bien évidemment, ça prend une traduction. Si tu as fait tes diplômes en espagnol ou bien en arabe, quelque chose, il faut que tu aies déjà traduit ces diplômes-là et puis tu les envoies. Dans une prochaine vidéo que je vais faire, parce que ce qui est intéressant avec West, on peut faire une évaluation primaire. Ce lien-là, je vais le mettre en bas de la vidéo. Oui, on peut faire une évaluation primaire pour voir déjà comment ça se passe, comment on peut faire cette évaluation-là en ligne. Vous aurez déjà une idée à travers l'évaluation primaire, dont le lien est en bas. Donc, comment ça va s'effectuer? Comme j'ai dit, si tu es en train de parler de West, bien évidemment, c'est parce que tu aspires à immigrer au Canada. Donc, évidemment, tu vas passer par le portail, l'entrée express, ou bien depuis là où tu es en train de chercher du travail, il faut passer par West. Donc, comment ça fonctionne généralement? Les diplômes à évaluer, bien évidemment, on va commencer par le diplôme le plus haut. Mais sachez que même si tu as 2-3 diplômes, West, lui, il évalue tous les diplômes au même coût. Quel que soit le nombre de diplômes, c'est le même montant. Donc, tu vas bien évidemment commencer par le diplôme le plus élevé. Cependant, même si tu as une licence et puis tu as un autre diplôme qui date de moins de 1 an, tu peux le joindre à ça. C'est intéressant parce que ça peut t'apporter des bonus. Mais si tu as un PhD ou bien si tu as un master's, c'est pas nécessaire de mettre les deux diplômes parce que les deux diplômes se valent un peu. Les deux diplômes sont déjà élevés. Donc, c'est l'un des diplômes que tu mets. Le diplôme que tu vas mettre à évaluer, il faut t'assurer que ce diplôme-là, il a des relevés de notes. Tout diplôme qui vient pour être évalué doit venir avec des relevés de notes, doit venir avec des bulletins. Pour ceux qui sont dans nos pays où ils font le BTS et puis ils n'ont pas encore le diplôme sorti avec le carton, même avec le duplicata déjà, tu peux tout joindre à ça pour pouvoir être évalué, il n'y a pas de problème. Mais les bulletins, les relevés de notes doivent être certifiés. Il faut que ces diplômes-là, tu ailles les authentifier, les certifier. Je ne sais pas où vous faites là-bas, je ne sais pas si c'est à la mairie ou... Et tout ça, tu vas les mettre dans une enveloppe. Quand on va faire dans la vidéo prochaine l'évaluation de la description, il y aura un formulaire où est-ce que tu vas bien évidemment remplir. Et quand tu commences déjà à remplir, il y a un numéro qu'on appelle le numéro de référence, le numéro de confirmation que tu as déjà payé ou bien à la fin, quand tu vas finir de payer, ça va apparaître. Donc, pour d'abord, comme je suis en train de parler du paiement, vous allez me poser la question, mais comment on fait pour payer? Comment on fait pour payer? Il y a beaucoup de moyens. Il y en a par chèque, il y en a aussi par débit Interac. Mais débit Interac, très souvent, c'est pour nous autres qui n'avons pas de carte de crédit. Ça dit, tu as ton argent, mais sur une carte qui te permet de faire des paiements en ligne, même tu veux payer un billet d'avion, c'est ton argent en espèces qui est sur une carte qui te permet de faire des paiements en ligne. Très souvent, c'est pour nous qui sommes ici. Vous qui êtes en Afrique, je ne sais pas si vous avez là-bas les débits Interac, mais si vous en avez, c'est fine. Mais si tu n'as pas, bien évidemment, ça prend une carte de crédit. Passer par chèque, c'est un peu compliqué depuis l'international. Donc, tu vas prendre une carte de crédit. Mais si tu as l'argent que tu n'as pas de carte de crédit, bon, bien évidemment, tu vas chercher quelqu'un qui a une carte de crédit.
tu vas lui dire, ah, moi j'ai tel montant déjà pour te mettre sur, pour te mettre sur ta carte de crédit, mais je veux effectuer un paiement en ligne. Donc quelqu'un qui possède une carte de crédit, c'est pas grave, même si c'est pas ton nom qui est sur la carte de crédit, tu peux effectuer un paiement en ligne avec ça. Combien ça coûte? Environ 200 et quelques dollars. Bien évidemment, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, la monnaie que ça fait, mais vous pouvez aller regarder. Si vous voulez toutes les informations, je vous mets ce deuxième lien là. Vous allez aller, vous allez avoir toutes les informations sur comment pour, faire l'évaluation des diplômes sur West, le procédé, tout est expliqué. Évidemment, comme je dis, nous on vous donne les informations, mais une information qui se transcrit oralement, très souvent ça peut venir avec des erreurs ou bien ça peut venir avec des omissions. L'authenticité là, c'est vraiment sur le site que je vous ai mis en bas. Vous regardez là, vous allez au moins comprendre comment ça fonctionne. Donc quand vous avez fait le paiement, comme je vous ai dit, les duplicata, si tes diplômes sont à traduire, les traductions avec tout ce que tu as fait, avec ce qui n'est pas traduit, tout tu mets dedans. Si le diplôme est déjà est certifié, tu n'as pas besoin de mettre l'original dedans parce que ça veut dire que ça a été vérifié. Quand tu as réuni tous tes diplômes, comme je vous ai dit, tu les mets dans cette enveloppe-là. Le, parmi les diplômes le plus élevé, si tu as par exemple fait l'université et puis tu as fait le professionnel et que c'est le diplôme universitaire qui est élevé, c'est à l'université que tu vas aller. Là-bas, tu vas voir un responsable qui va authentifier ça, qui va mettre sa signature, tout avec une lettre, parce que l'enveloppe que tu vas expédier de West, là, il faut que ce soit scellé. Quand on dit scellé, il faut le tampon authentique de l'établissement là pour sceller, pour mettre ça en arrière de l'enveloppe. Si ce n'est pas scellé, ils vont regarder et puis ils vont mettre ça à côté. Tu auras perdu tout ce temps pour rien. Donc, c'est très important que dans l'enveloppe, il y ait ce qui est déjà authentifié. Tout, tu mets tout dedans, tes duplicata, tout, tu mets tout dedans. Et puis, tu vas maintenant expédier. Sur le site, là, il y a déjà l'adresse d'expédition. Mais quand je vais faire la description, c'est une information supplémentaire que je vais vous donner sans problème. Pourquoi on conseille West aussi? Parce que, comme j'ai dit, contrairement aux autres que je vous ai dit, à part West et ICAS qui s'écrit avec Q que je vous conseille, les autres, ils prennent vraiment un long délai de traitement. Alors qu'avec West, quand ils reçoivent ton enveloppe, ça prend 3 à 4 semaines et puis ils commencent à traiter ton dossier après réception. Ils ne traitent pas les dossiers des médecins, ceux qui ont des diplômes de médecine, de pharmacie, omnipraticien. Et puis, exemple, tu as fait un stage professionnel, parce que après, vous allez venir me dire l'impacteuse. Non, moi, j'ai pas de diplôme, mais j'ai tel truc, stage. Ils ne traitent pas toutes des attestations liées au stage, des affaires comme ça, des dentistes, tout ça. Ils ne traitent pas tout ce qui est du domaine de la pharmacie, tout ça, ça ne traite pas. Tu as un diplôme de médecine, ils ne traitent pas. C'est une autre structure qui traite ça. Ici, on est vraiment en train de parler du domaine est vraiment universitaire qui n'a rien à voir avec la médecine. Donc, quand vous avez mis tous ces documents-là, vous les expédiez. L'expédition, très souvent, d'autres font par la poste, mais moi, je ne conseille pas par la poste parce que ça peut se perdre. On conseille très souvent par DHL, peut-être qui est un peu cher, mais vous pouvez aussi voir, il y a Chronopost, il y a d'autres aussi qui sont chers. Il faut faire ça par genre, comment on appelle ça, quelque chose, réception, accusé de réception, de telle sorte que quand ils ont reçu à travers ton courriel, ils peuvent t'aviser que ça a été bel et bien reçu. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe. Le West, tu ne peux pas parler de l'entrée express sans que tu saches même que pour commencer l'entrée express, il faut que tes diplômes soient évalués d'abord. Parce que c'est l'évaluation de tes diplômes qui va te permettre de savoir que ah, ce diplôme que j'ai dans le système canadien anglophone, ça équivaut à ça. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est à force de recevoir plein de messages de vous et mes impactés, surtout mes impactés, car mère, c'est vous qui m'avez expliqué le West. C'est quoi le West? Et aujourd'hui, je viens vous parler du West. Mais ça s'explique, même ici au Canada, je vais le dire. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, une ancienne vidéo dans mes débuts, les Camerounais, ils sont très structurés à l'étranger. Ici, je donne l'exemple du Canada. Ils ont un mouvement, par exemple, qui est le JRC. Ça veut dire « Je retourne
au Cameroun. C'est un mouvement qu'ils ont au-delà de leur association de tontine, de quoi, whatever. Un mouvement qu'ils ont qui est très intéressant. Où quand tu arrives en tant que immigrant au Cameroun, bien tu arrives, pardon, au Canada, tu arrives ici au Canada, déjà tu t'inscris là. Quand quelqu'un décède et que tu as l'intention qu'on envoie ton corps au Cameroun, à 2 $ que chacun paye presque, si je me trompe, que quelqu'un me corrige, ça c'est une information, 2 $ ou bien près de moins de 2 $ qui paye déjà comme ça systématiquement et puis on ramène ton corps au Cameroun. Ça c'est un truc que les Ivoiriens n'ont pas, mais nous on est dans l'association des Bété, des Guéré, des Baoulé, ça dit des petits détails. Ça c'est déjà une différence frappante qu'ils ont, ils sont très organisés. Ils savent où aller chercher les informations. Oui, tu veux dans le au niveau des informations là, ici au Canada, dans le milieu francophone là, ils sont number one. Donc je viens pour vous faire un big up ici. Si aujourd'hui je suis en train de donner les explications sur le West, c'est vous qui avez, ça dit, attiré mon attention. Des gens qui me disent non, les papiers, je suis pas encore, j'ai pas encore commencé l'entrée express, mais je suis encore au niveau du West en train de réunir. Ce genre d'informations, nous, ce n'est pas ça. Si on dit où on va aller pour insulter sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, on est number one. Ça, c'est la vérité. Voilà. Tu vas être choqué, mais c'est ça qui est la vérité. Sur ce, je vous dis merci. Et puis, dans une des prochaines vidéos, je vais être devant un ordinateur. Je vais vous montrer comment on va faire l'évaluation primaire pour qu'on ait une idée. Parce que comme a dit quelqu'un, mais tu veux parler du Nouveau-Brunswick, tu n'expliques pas le West. Demain encore, on va venir me dire, mais c'est quoi le West? Le West, c'est l'évaluation des diplômes dans la zone anglophone. Si tu aspires à immigrer au Canada du côté de la zone anglophone, ou bien tu aspires à postuler depuis l'extérieur, ou bien même ici, tu es obligé d'évaluer tes diplômes par West. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous depuis la ville de Québec où je suis en vacances. Ciao! Bisous à vous et puis prenez soin de vous. Allons toujours à l'affût des informations.